Coucou à tous, c'est Marion. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un album que j'ai réalisé pour la DTF Déco France. Donc c'est un album qui change un petit peu de ce que l'on a l'habitude de voir en termes d'album, puisque c'est un album que j'ai réalisé pour les années d'école de mon fils, de la première année de maternelle à la dernière année de primaire. Donc si on résume, 3 années de maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Voilà. Donc au niveau de la collection, j'ai passé la totalité de la collection de papier 20-20 et 30-30 que m'avait fourni Marie. Donc j'avais les papiers en 30-30 et les papiers en 20-20, je n'ai plus rien. Donc voilà. Donc au niveau de la reliure de cet album, c'est une reliure avec des spirales. Je pars du principe que voilà, j'ai la cinche, donc je peux le faire. Si jamais vous n'aviez pas la cinche pour faire une reliure spirale comme ceci, vous pouvez très bien mettre 3 anneaux ou alors faire une reliure classique comme on en a l'habitude. Donc au niveau de ma couverture, je l'ai faite en papier un peu plus rigide. J'ai mis une cartonnette au milieu pour que ça tienne vraiment bien les embellissements que j'ai mis dessus qui sont assez lourds. Donc vous voyez, j'ai vraiment travaillé les fleurs de la boutique FDéco France, les feuilles qui en viennent aussi. J'ai mis des crayons à papier pour vraiment que ça rappelle l'école, des crayons de couleur, pardon. Ici, un petit cadre pour faire comme un tableau avec en classe le petit lapin de la collection. Ici, j'ai fait un pochoir en pâte de texture qui vient de chez FDéco France aussi. Et puis des petits embellissements voilà, de la collection de papier. Et ici, un petit badge qui vient aussi de la collection Cool School. Donc au niveau de l'album, vous voyez ma reliure, elle fait un petit peu mouse costaud, mais c'est tout simplement parce que je sais qu'au fil des années, ça va s'épaissir et donc j'ai un petit peu anticipé. Donc quand on ouvre, alors à l'arrière, je vais déjà vous montrer ça, j'ai mis un papier vellum tout simplement pour protéger mes papiers pour pas que ça s'abîme. Donc ici, j'ai mis des petits coins pour protéger aussi puisque c'est cartonné. Et quand on ouvre, alors toutes les pages sont faites de la même façon. Donc ici, j'ai laissé donc une étiquette de la collection. Et ici, j'ai laissé un papier entier. C'est tout simplement pour mettre une photo des différentes écoles où ira mon fils. Voilà. Et ensuite, commence l'album. Donc ici, en fait, c'est une page avec une pochette et vous voyez un... comment dire, une pochette avec un insert pour y glisser les photos de classe. Donc j'ai ici une photo de classe. Donc voilà, je vous la montre pas hein, parce que franchement j'ai pas envie que vous voyez ma tête. Mais voilà, c'est le format qui va venir se mettre ici sur l'insert. Et il n'y aura plus qu'à le fermer. Et donc du coup voilà, ça vient parfaitement dedans. Donc ici, en fait, il n'y a rien de bien compliqué, il m'a suffi de faire un cadre avec mon papier et un insert. Et ensuite, mes pages, elles fonctionnent toujours sur le même principe, c'est-à-dire que une page, une classe. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est le derrière de ma feuille. Hein. Au bout du rabat, j'ai mis un petit tag. Donc ici, c'est une page aimantée. Ici, j'ai mis un bout de papier et ensuite, il y a un vellum pour protéger. Ce vellum, il s'ouvre. J'ai la place ici de mettre la photo, puisque traditionnellement dans les photos de classe, on a la photo de l'enfant séparément et la photo de classe. Et à l'intérieur, j'y ai prévu donc une. Alors ça, c'est avec une enveloppe. Ici, vous avez un insert dans lequel vous pouvez mettre différentes photos des spectacles, voilà, de ce que vous voulez. Ici, un autre emplacement photo où on pourra mettre d'autres photos de l'école. Et ici, ma page vellum se rabat. Et puis, ici, j'ai fait un système d'enveloppe dans lequel on peut insérer d'autres photos. Et sur l'insert, enfin sur l'enveloppe, j'ai rajouté une autre petite enveloppe avec un papier de la collection. Et cette petite enveloppe, en fait, elle laisse place à un tag. Alors là, ici, voilà,
un insert comme ça, sur lequel on peut venir mettre des photos. Et rabattre comme ça. Voilà. Et ici, vous ne voyez pas forcément la caméra, mais c'est du papier. Je vais essayer de vous le montrer. C'est du papier d'école en fait. Voilà. Donc voilà. Donc en gros, ça laisse quand même pas mal de place entre cette page-là et celle-ci pour mettre les photos d'école. Et puis, comme c'est une reliure spirale que j'ai choisie, je pourrais rajouter d'autres intercalaires si je veux mettre les premiers dessins de mon fils. Enfin, bon, voilà, je ne sais quoi. Ça laisse place à rajouter des choses. Donc ensuite, vous voyez, tous mes inserts ici correspondent à toutes les classes. Et donc ici, c'est le même principe. Donc toujours des petits embellissements de la collection. Hop. Voilà. Et comme ça, je peux le remplir au fur et à mesure. Et donc, chaque page de chaque classe commence par la photo de classe. Mais ce que je trouve vraiment sympa, c'est le fait qu'on puisse s'en servir sur plusieurs années et qu'il puisse vraiment servir de... Alors je crois que ça s'appelle un memory dex, mais je suis pas certaine. Hop. Parce que sinon les photos de classe, on sait toutes comment ça se termine, on les a l'année sur le frigo, après elles traînent et on les perd. C'est un peu ce qui s'est passé pour les miennes. J'ai plus l'intégralité de mes photos et je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, j'ai pas envie de répéter la chose pour mon fils, donc du coup, voilà pourquoi j'ai eu l'idée de créer ça. Et je trouvais que cette collection, ça se prête quand même vachement bien. Alors par contre, du coup, c'est quand même un album assez imposant, c'est assez grand. Et du coup, pour vous le présenter, c'est un peu compliqué, mais ça se fait. Donc vous voyez, chaque tag en fait permet de tirer l'insert. Et ça me permet d'avoir des intercalaires. Donc vous voyez mes bouts de page comme ça, je ne vous l'ai pas dit, mais ça c'est le reste de la page 30-30 quand je fais mon cadre en fait. Je m'en suis resservie ici. Donc ce qui fait que j'ai pas eu du tout de perte au niveau du papier, j'ai pas eu du tout de chute. Et ça c'est quand même agréable quoi. Un petit insert. Cette page-ci. Et chaque page est composée de la même façon. Voilà pourquoi je ne vous redétaille pas à chaque fois. C'est vraiment la même construction pour tout. Ce qui permet chaque année de savoir où va quoi.
Donc voilà. Hop. Et puis, donc la dernière page. Et donc à la fin, j'ai rajouté donc une feuille de papier pour clôturer mon album, pour pas que ça fasse un truc assez franc, avec ce papier sur laquelle par exemple je pourrais mettre l'arrivée en sixième, histoire de vraiment clôturer l'album. Derrière, j'ai juste mis une étiquette School Day et un vellum pour vraiment finir. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai vraiment fait un renfort pour que ça tienne correctement. Donc voilà. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est cette poche, en fait, je l'ai laissée pour ranger, par exemple, les bulletins de notes, je ne sais quoi, les souvenirs, les bons points. On peut aussi s'imaginer les bons points, les coller ici. Voilà, par exemple. Voilà pourquoi j'ai laissé pas mal d'espace. On peut aussi imaginer qu'il y ait des sorties, par exemple, de proposer pendant les années d'école. Eh bien, on peut coller ici les photos des sorties. Ou rajouter une enveloppe. Et puis, mettre les photos des sorties dans les enveloppes. Ou faire un soufflet. Voilà, mais ça sera... au fur et à mesure des années que je le saurai, hein, je ne le sais pas à l'avance. Mais voilà, ça me permet d'avoir une base pour lui laisser un souvenir de ses années d'école. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. J'ai adoré travailler ces papiers qui sont super colorés. Et vous le savez, moi j'adore quand il y a de la couleur. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à vous jeter sur cette collection parce que vraiment, si vous avez des petits loups, elle est géniale à travailler. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !